Boum, salam alaikum à toutes les filles. J'aime encore des aides avec Melissa. Aujourd'hui, on va vous montrer des exercices. Comment les faire proprement. Les pompes. Avant de commencer, les filles qui nous ont rejoint pour la première fois ici à Gymcore DZ, le lien du groupe, ça c'est un groupe privé, spécialement pour les femmes. Le lien il est en bas. Rejoignez-nous. Ok, comment faire des pompes? Lorsque j'entraîne des femmes, la première des choses que je leur dis, des pompes, elles commencent à paniquer. It happened to you before we're talking about push-ups. When I ask people to do push-ups, they always panic, right? Okay. They always panic. Why? They do, because most of the women don't know how to do push-ups. Donc, on va montrer comment faire des pompes proprement avec des progressions. Pompe débutante. Push-ups with the knee on the floor. Okay. Yes. Donc, on va vous montrer de côté, après devant. C'est comme ça qu'on fait des pompes avec des genoux par terre. Maintenant, donc les pays francophones, les Algériens, regardez comment on fait des pompes. No, you can stop there. Donc, lorsque vous faites des pompes devant, la première des choses à faire, regardez lorsqu'elle descend. Go down. Stay there. Ça, c'est l'angle de travail. Les coudes en ligne avec les épaules. Parfait. You can go back up. C'est comme ça qu'on fait des pompes. You can keep going. Now, maintenant, si... Give me another two or three. Now, maintenant, si vous rapprochez les mains, go, do them with the closed hands. La plupart des filles, dans cette tête, la plupart des filles, lorsque je leur demande de faire des pompes, elles les font comme ça. Go. Elles vont avoir des problèmes. But do them when people have problems with it. You see, it's kind of a half stance all the way up. C'est ça, elles font des trucs comme ça. Ça, c'est très, très mauvais. Si vous avez, vous n'êtes pas conditionné à faire des pompes, vous ne pouvez pas faire des pompes comme ça. Donc, go back to the starting position. La meilleure façon, c'est comme ça. Gardez cet angle de 90 degrés. Regardez comment elle le fait. Ça, c'est comme ça qu'on fait des pompes. Maintenant, ça, you can stand up. Ça, c'est des pompes débutantes. Vous prenez votre temps. Maintenant, on va vous montrer comment faire des pompes normales. Give them a side view with your head straight this way. Regardez comment on va les faire. We're going to do just a normal push-up. You can set yourself into a push-up position. Then let me just take you through the actual coaching. Now, the first thing, la première des choses. Regardez comment elle est. Ses jambes, tu peux just get your feet together slightly. Vous pouvez les faire comme ça, ok? Mais regardez les... C'est comment qu'on appelle ça déjà? Les poignets. Les poignets. Les poignets en ligne avec les épaules. Vous rentrez le ventre tout le temps lorsque vous faites des push-ups, des pompes. Et regardez, son menton, c'est le menton, c'est ça? Mm-hmm. Le menton, elle le fait rentrer, c'est pas put your head up. Ici, la plupart des gens, ils font beaucoup les pompes comme ça. Ok. Tout le temps, vous faites rentrer le menton. Tuck your chin in. Et c'est comme ça qu'on fait. Give them a push-up. Regardez la position, c'est comme ça qu'on fait des pompes parfaites. Ok? Donc, Tewana, je t'en dis, give me another three. Tewana, how do you do les pompes parfaites? Now, give them a front view now, just give me three with a front view. Non. Caméraman, tu restes devant elle. Okay. Tu bouges pas de caméraman, s'il te plaît. Donc, regardez, yeah, give them a three push with a 90 degree. Regardez comment on le fait de devant. C'est comme ça qu'on fait des pompes. Ok? Ça, c'est parfait. Maintenant que vous avez vu tout ça, amusez-vous bien. Jamo et Melissa de Gymcore. TZ. See you. Bye bye.